Ah, sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. C'est... une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre.
une autre pancine dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Ok, nickel. Ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre... Réveillon. Ouais, mon pote, ouais. Ok, j'ai eu de l'XP, on est niveau 8 pour l'instant. Que faut-il que je fasse ? Donc on n'a pas encore d'autres quêtes. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Oh ! Serrure de niveau 1. Ok, bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah je sais où aller. Oh. Ah non, c'est pas la carte là? C'est pas ça? Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok. Quête. Ouya, d'un seul coup, on a grand main. Devoir de professeur Eckhart, réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. Ok. On va aller faire ça au pire. On va aller faire la joute magique niveau 3. On va pas s'emmerder. On va se taper là, on a juste à traverser le pont comme d'hab. Réveillio. Que dalle ici. Que dalle sur le pont. Ok, il y a que dalle sur le pont. Il y a que dalle. Attention, futur champion en approche. Comment vas-tu ? Bonjour Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique ? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Absolument, mon oui, pote. Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Avec Sébastien, comme d'hab. Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Ah, ils sont 4. Ils sont 4. Et il y a le truc de feu maintenant. Axio. Réparo. Merde. Axio. Levioso. Incendio. Stupéfix.
Yoso. Action. Sendio. Easy. Peut-être qu'un jour je perdrai ma chance. On les a fumés. Victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense. Merci. Tu l'as bien mérité. Maintenant que nous avons officiel, je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Ça marche, on s'en fout de tes plantes. Bah ouais, mon pote. Du coup, on va aller retourner voir nos quêtes. Ouais, faut que j'esquive des trucs. Ah bah ça, on va le faire tout de suite. On est juste là, donc on va le faire directement. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes... Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir... Alors... Revelio. Merde. Action. Incendio. Levioso. Voilà, comme ça. Maintenant. Action. Incendio. Beau travail. Il y en a encore un. Ok. Action. Incendio. Oh, c'est chaud, hein. Ils sont chauds, hein. Action. Ah ouais, mais ça tire trop vite. Action. Incendio. Levioso. Ok. Très bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. Ok. Ça c'est fait. On va aller faire ça directement. On va pas s'emmerder. Ouais, mais non, ça fait chier un peu. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Là ici, je pourrais esquiver des trucs et tout, donc ça va être pas mal.
Vincenzo. Hop, ça on ramasse. Du coup, j'en suis où là? Il me reste deux esquives. Ah merde, oh, j'ai le seum. Ah là, j'ai le seum du coup. Ouais, deux esquives. Faudrait que je retrouve une bébête. En allant tout le long de l'eau, normalement je devrais pouvoir y arriver, non? Faut juste que je tape deux esquives. Je vois un ennemi là à côté. C'est quoi? Ah bah. Hop. Et en plus, on passe niveau 9. J'étais aux courses de défense contre les forces du mal pendant la journée. On va y aller immédiatement, on dit. Carte. Ah non, carte de Poudlard. Eh ben, tu sais quoi? On va aller directement à la quête, là, on s'en fout. Allez, on va aller faire... C'est quoi? C'est le cours de... Je sais plus quoi. Je crois que c'est le truc de Mandragore et tout, là. On va le faire tout de suite. On va être tranquille. Revelio. Merci. J'ai trouvé. Là, il y a encore une serrure. Revelio. Je vais juste regarder si tout se passe bien. Ouais, c'est bon. Nickel. Allez. Ok. J'espère que vous avez fait... Professeur? Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Ça c'est cool ça. Travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus, vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus. T'inquiète, grand-mère. T'inquiète pas, dis. Aller en cours de botanique ou aller
On va aller voir elle. On va aller voir elle. Ok, alors, carte. Hop. Au moins on a Expelliarmus maintenant, c'est terminé. On va les défoncer. Eh ouais mon pote. À 200 mètres, vas-y, on fait un tout droit. Eh, la maison d'Hagrid. Bon, allez, genre, t'as mal. Mais si, j'ai perdu de la vie en plus. Incroyable, il y a les dégâts de chute. Je devrais regarder ça de plus. Plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. On se connaît même pas. Pourquoi sont-ils à ta recherche? Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-au-loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow. Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sûr. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais rien. Je sais rien, dit. Par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup,
Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève? Tu n'es pas certain. J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfait. Voilà, un peu louché là. Permets-moi de mettre un peu. Expelliarmus. Les vieux sauts. C'est moi où on les a défoncés. Ah ok, il y en a encore. Et lui, il y a un bouclier, non? Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Bah vas-y, viens ma grande. Je connais les gens. C'est embarrassant. On les a arrachés le slibard. Moi je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressé de la sorte. Et si près de Poudlard. Bah ouais, mes mères. Est-ce que ça va? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. Là, je prends tout. J'ai la mauve douce. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Mais pourquoi les poils s'allument? Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Expelliarmus. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio. Ah. Les flammes font sombrer le bûcher. Donc. Par la base de Merlin. C'est magnifique. C'est juste pour ça? Termine les épreuves de Merlin. Ok, une sur deux. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant.
Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Olar. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous... Ok. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Ok, preuve d'armée de Merlin. 260, bientôt au niveau 10. Quête. Bah, go faire le cours de Bota. Carte. Carte de Poudlard. Et le cours de Bota. Tranquillement. Merde. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants? Allez, cours de Bota. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les brilles et la tire fermement. Oh, le gros sac! Ok. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Préparo. Rapide, efficace. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Merci. La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Eh ouais, mon pote. Bah ouais. Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard.
Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Ok, ok. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardon? Les propriétés régénérantes du Vitam en font un ingrédient indispensable 10 minutes. De la potion Wiggenweld. Comme beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, cours de potion, ça, je pense. Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Ok. Des choux mordeurs de Chine. Salut, Protego. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ouais, bon, on n'a pas le temps. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle... Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Feuille de mauve douce. Oh, ton duel contre Sébastien. Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Ah. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Vas-y, attrape un de ces choux. Tu vois ce mannequin? Attends, moi je prends tout, hein. Moi je prends tout. Tout est prenable. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces gentilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon mannequin si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref. On devrait probablement retourner en classe. Oh, c'est sûr. On devrait retourner en classe. On se voit en classe. J'ai pas le temps de prendre mon temps. Tu vois, je suis quelqu'un... J'ai la flemme de prendre mon temps, tu vois. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, prophète. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. Jean... Bon, je crois que c'est terminé. Chaque fois, j'appuie comme un trou de balle. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Comme d'hab. Du coup... Ça c'est fait. J'espère que ces mandragores apprécient. Niveau 10, plus 30 PV. Ça m'a coûté mes deux tympans. Merde, c'est pas là qu'on sort? Merde. C'est par là qu'on sort? Ouais, c'est par là. Si tout le monde sort là, c'est que c'est par là. Laissez-moi placer la bande de noobs. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Cours de potion. Allez, on va aller faire le cours de potion. Elle est juste à côté, mais on se TP quand même. Ça va plus vite. Des aurores ou des gens du ministère pour protéger. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Allez, on commence le cours direct. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence.
Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdel. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Alors... Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Putain. Incroyable. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. À l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Ok. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Après... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett, d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai... Je t'assure, tu ne risques rien. Oui, attends, oui, oui. Oh putain, ça parle beaucoup, n'empêche. Hein. C'est quand même chiant ça, mais sinon ça va. Revelio. Hop, j'ai eu un nouveau truc. Merde. Dans les gants. Plus 8 d'offensive. Ouais, si je perdais, ouais, ok. Hop. On prend. Les sorcières et sorciers bien avisés ont toujours quelque chose. Voici la plume de faucifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Il va faire des conneries, les violes, ça. Potion et des russes. Patience et de minutie. Ok, on fait la potion tranquillou. Tranquille et détendu, dit. Hop.
Hein? Hop. Alors, F pour ramasser. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. Eh ouais, mon pote. Néanmoins que vous aurez retenu la leçon. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre. Oh, par contre, c'est quand même assez long. Trop de discussions. C'est trop de discussions, hein, mon pote. Alors, le cours, il est fini ou pas? Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ça, c'est cool. Ok. C'est quoi ça? Bonjour, chef Serpentard. Scrope sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrope peut vous aider. Et vous? Vous pouvez aider Scrope. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Ok. C'est méga loin son endroit là. J'aurais dû me TP quoi, je suis bête. Mais bon, pour maintenant j'y suis alors. Revelio. Hop, nickel. Je sors tout droit de la crise des toilettes où Praxiapol m'a permis de faire. Revelio. C'est pas Peeves ça là, ce trou de balle là qui a balancé le poteau. C'est sûr c'est lui. Alors du coup c'est ici. Scrope, c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose? Scrope pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrope a laissé un autre message après le pont dans le cercle de pierre. Faites attention, n'en parlez à personne. Scrope? Qui est Scrope? Ok. Scrope, bah, ça doit être un elfe, hein, on l'a vu dans le message qui avait apparu à gauche. Alors, Scrope. Non, faut que je fouille comme ça. Action. Ok. Ah, il est là. C'est moi, j'ai louché encore. Là, je fais comment? Ah, ok. Vous êtes presque approché les citrouilles juste après le cercle de pierre. Regardez l'une d'elles. Dans l'une d'elles. Des citrouilles? Ah, je crois que je sais où aller. Je vais mourir là si je descends par là. On va pas trop tenter le diable.
Revelio. Ok, nous on prend, on ramasse tout, nous. Et là, on a le dernier message, du coup, dans lequel citrouille ? Notre jeune serpentard doit brûler d'impatience à présent. Rejoins les scrops au bord de l'eau, près du quai abandonné. Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Oh merde. On va descendre doucement. Voilà, tranquille. Je pense qu'on va arrêter avant de parler. Avant de lui parler. Ce sera pas mal, je pense, une heure. Ouais, ce sera pas mal. On va attendre là, puis on va s'arrêter là. Hop. Tac. Bah, ça va, nickel, ça refait une petite heure. Tranquillement. Bon, bah, on va sûrement refaire le même demain. Donc, bah, demain, et puis, bonne soirée à tout le monde, bonne nuit, tout ce que vous voulez.